Hey yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous incarnons la Galatie. La puissante Galatie. Hein, nous n'étions qu'à Ancria. Puis nous avons pris la Galatie avec Cappadocia, l'Arménia, le Caucasia, le Ponto Caspia, le Bosphore, enfin la Scythia et tout le bordel qui est là. Alors, faisons un petit point de là où est-ce que je m'étais arrêté. Ok, j'étais en route pour là-bas. Oh, j'avais pas passé mon tour. C'est rare. C'est rare. Voyons voir. Il me semble que on avait quelques soucis avec Sparte et il nous énervait. Et j'ai dû libérer je ne sais pas combien de fois le royaume de Tilis. Oh, interception. Oh, c'est ballot ça. Et en résolution en mode équilibré pour éviter d'avoir trop de pertes. Ils ont un paquet de troupes hein, quand même. Là, y a des, ils ont des armées de partout là. Et ils ont surtout un bon taux de recrutement, les saligots, quoi. Ah merde! Il va falloir que les redéfendre là-bas. Je pensais que c'était bon, mais pas du tout. Bon. Y a qui ici? Y a rien. Y a rien d'intéressant. Donc, ce que je vais faire. Waouh. Ça, c'est déjà chiant, ça. Résolution en mode protection. Tac, tac, tac. N'espérons pas avoir de pertes. C'est bon. Je pille. Comme il faut là. Ah oui. Je me barre. Direction. Oh merde. La direction, ça c'est con ça. Direction. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'étais persuadé d'avoir encore la moitié de mon déplacement. Bon bah direction Nicomédia comme on peut. J'ai pas trop compris pourquoi ni comment. Mais c'est pas grave, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Ok, dommage. Là-bas. Là-bas, il a perdu Charax, ce couillon. Quoi, aller le reprendre. Ça, c'est blindé de bouffe. En plus, lui. Ah non, mon espionne est tombée. Ah, c'est ballon, mon espionne est morte. C'est comme ça. Là, il va où, lui? Il va juste là? Ok. Ah oui, c'est une troupe de défense. Ok, direction touche pas, je pense, c'est pas mal. Lui est toujours là-bas. Et on va devoir refaire un peu de production de thunes. Hein. Ouais, par exemple ici. Hein. Oui, mais attends. Pas du tout dans le bon ordre. Production de thunes et de bouffe aussi, parce que là ça commence à consommer un paquet quand même. Il va se faire prendre des sauces. Il y a peut-être en tailleur avec. Non. Bah, si seulement mes alliés faisaient des choses intéressantes. Ah mais c'est une troupe à moi là-bas!
J'avais totalement zappé. Hein. Bah alors. Tentative de corruption échouée, j'aime bien. C'est toujours chiant. Là, il y a quoi? Ah, il y a des bonnes troupes hein, quand même. Là, il va vouloir passer en plus, il va vouloir aller sur Olbia et m'énerver. Et le truc, c'est que j'ai eu la flemme de la faire en résolution manuelle. Donc je vais devoir recruter un général là-bas. Sérieux, enfin. Si mes alliés l'attaquaient, quoi, ça pourrait passer, mais ils veulent pas. C'est... Je vais les forcer, hein. Je vais te dire, mais faites-moi tomber Athènes, j'en sais rien. Faites-moi tomber ça, et puis voilà, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui me bat. Pour ramasser, il y a du monde, par contre. Bah, c'est... Par contre, c'est faux. Les Tilis, ils font ce qu'ils font, ils font leurs travaux, là. Mais le reste, ils ont rien à secouer. Hein. Là, je voulais en faire un pôle recrutement. Mais le truc, c'est qu'il n'y a plus d'intérêt maintenant. Donc je vais en faire un... De la bouffe, hein, pour changer. Pour ne pas changer, plutôt. Donc, direction Suse. On va prendre Charax qui va nous donner masse bouffe, ça aussi. Ça, ça va être vraiment cool. Hein. Regardez-moi ça, ça va être génial. Bon, quand on aura des thunes, quoi, mais ça nous donnera masse bouffe. À terme, n'inquiétez pas. Ma confiance. Bon, ils arrêtent pas de courir partout, c'est pas étonnant, c'est des Spartiates. On parle bien Sparte. Hein. C'est quoi qu'ils sont. Oh, j'ai pas vérifié là-bas. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Très certainement. Est-ce que je vais me faire prendre une ville? Très certainement. Est-ce que je vais le regretter? Très certainement. Il me propose 15 600, ça augmente. Ok, bon, ils ont plein de piques. Et non, hoplite, 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 hoplite. Que deux unités de piquets, ah, ça m'intéresse. Très peu d'unités corps à corps, hein, par contre, j'ai vraiment pas grand chose. Je vais la jouer. Je suis censé avoir des renforts. Bon, après la tranche des renforts, j'y crois pas trop. Il a deux unités de cavalerie et il a. Pardon? Ah, je suis pas en défense! Ah, je suis pas dans un fort. Ouais, mais non, mais j'ai la flemme alors. Oh, j'ai la flemme de la jouer. Ah, je crois que j'étais persuadé que j'étais dans un fort, donc c'est pour ça que je l'ai joué. Mais alors, non. Bon, dans tous les cas. Faut que je planque ma cavalerie. Où est-ce que tu veux planquer ta cavalerie sur des plaines, quoi, comme ça, sérieusement? Et c'est pas avec eux que j'avais déjà gagné une bataille un peu compliquée. Pouves d'arbres et les quelques pouves d'arbres qu'il y a de son côté. Bah excusez-moi, tiens. Il est sorti tout seul.
Bon, je vais faire attention à pas me faire canarder par ça. J'ai de lourdes pertes pour pas grand chose. D'ailleurs, je vais y envoyer ma cavalerie là. D'un côté, et je vais envoyer l'autre partie de ma cavalerie de l'autre. Ici. Voilà, eux ils bougent là. Vers ma cavalerie, ils ont l'air de vouloir taper. Ah, j'ai rien dit, et ils savent pas trop. Là quoi, les hoplites, hoplites, j'aimerais bien me faire les piquer avant, mais je sais pas du tout où est-ce qu'ils sont. Ok, de part, hoplites, hoplites. Hop. Je vais mettre en mode l'interrupteur de mode escarmouche. Escarmouche. Armouche. L'escarmouche. Et je vais demander à ma cavalerie légère d'aller. D'aller totalement attaquer la baliste. Hein. Là, de ce côté-là, on a quoi? De la cavalerie. Cavalerie. Hop, ok, on va leur demander de revenir là. J'ai subi de la perte? Je sais pas de quoi, je sais pas par quoi, je me fais tirer dessus. Tireuse Agoro, ouais, les tireuses Agoro peuvent faire mal. Donc on va bouger. Par contre, sérieux, là, ils ont pas fini encore. Là, vu que les tireurs Agoro se sont retournés sur moi, bah, ils vont le payer le prix fort. Hein. Là, j'ai encore un peu de marche pour reculer. Là, ils vont se sentir comme des cons. Les hoplites vont peut-être faire un peu demi-tour, c'est tant mieux, ça va ralentir leur formation. Oh oui, ils ont vraiment pas aimé. Là-bas, c'est fini. Là, on va reculer, on va essayer d'éviter quand même de se prendre, parce que ça reste des tirailleurs, ça fait des lourds dégâts, ça. On va y retourner quand même avec une de mes unités. Et là on va repartir de l'autre côté, on va essayer de les rechoper ça. Je veux pas qu'ils se reconstituent, et s'ils se reconstituent, qu'ils se reconstituent mal. Bon, ils vont pas se reconstituer alors. Ah, c'est de la légère ça. Oh, c'est de la moyenne. Attends, oh merde. Oh merde, je l'ai pas vu venir ça. Waouh, ils sont pris une petite rafale là, par contre ils ont pas aimé. Ok, c'est bon. Oh merde, on est en contact. On est en contact, c'est jamais très bon ça. Hop, on va sur le côté. J'ai dit sur le côté, j'ai pas dit dedans. D'abruti. Ils sont toujours... purée, ils tiennent, hein. Attends, les peltastes, là, les peltastes, on va pas les laisser comme ça, faut pas déconner non plus. On va venir notre cavalerie là. J'ai du mal à la jouer aujourd'hui, hein. La journée de travail a été... intense. Là. Voilà, Léoplite, la périècle. Ils sont vraiment fait accrocher, ils sont fait accrocher par quoi là? Ok.
C'est quoi fait une charge là? On va faire passer mon général, on va faire charger là par l'arrière, ça reste de la cavalerie très lourde. Ils vont pas aimer la blague. On va juste reculer un petit peu là, on sait pas, on sait jamais. Piquer ici, piquer. Piquer on n'aime pas là. La charge, ils ont pas aimé, ils ont vraiment pas aimé. Hop, on va reculer, bien évidemment. Hein. C'est pas des hoplites très lourds qui vont réussir à choper de la cavalerie moyenne, voire légère. Là, pendant ce temps-là, ça tiraille comme il faut. On va aller chercher les peltastes. Là-bas. Là on a pris une trentaine mais c'est pas assez hein. Allez, on va aller charger là-bas. Une bonne charge par l'arrière là, ils vont pas. Eh ben non. En fait on va pas charger. Mais pendant ce temps-là, ils prennent des dégâts de zinzin. Non, ça sert à rien. Ah, j'ai perdu mon général. Oh, j'ai perdu mon général. Là, il tire par l'arrière, ouais, il reste pas beaucoup d'ammunition là. Ok. Essayer d'aller les chercher là. Voilà. On les a eu, les frondeurs ont encore des munitions, ça me va. Là ils sont pas bien. Ils sont attaqués par l'arrière. Dans ce projectile par l'arrière, ils aiment pas du tout. Hop, on voit tout ce qu'on a sur le général. Enfin, tout ce qu'on a en munitions là, sur le général. Donc on va faire une petite diversion là avec notre cavalerie légère. Ils tiennent eux, hein. Là, leur général, les Spartiates royaux vont pas tenir le choc. Hein. Salut. Et non. Là, ils essaient de se regrouper, ou je sais pas, peut-être un truc comme ça. Là, les frondeurs, ils font très 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 mal. Hein. Oh que oui. Soyez vigilants. Les dieux guident nos tirs. Nous avons soif de sang et de bataille. Très bien. Reculer, ça sert à rien d'aller au corps à corps, on a l'avantage des unités à distance.
Donc j'en ai quand même certains qui se sont fait accrocher là. Toi, tu iras pas chercher mes unités à distance, je te le dis. J'ai presque plus de munitions et ça m'ennuie. Ça m'ennuie vraiment par contre. À charger là, très bien. On va continuer juste pour terminer. Pour leur faire des pertes, le classique. Tiens bien quand même. Hein. Tiennent bien. Allez. C'est une victoire, ça reste une victoire. On est en infériorité numérique. Oh, très légère infériorité numérique, mais forte infériorité au niveau des unités, hein. On avait une petite unité de mercenaires pas ouf. Des omnibres enrôlés, enfin, ce genre d'unité pas terrible. On a quand même réussi à gagner, bon, au prix de la vie du général, je crois. Hein. Gerasimos, là. Je crois qu'il y est, là, se passer. De choses qui arrivent. Non, je lui ai quand même bien défendu sa ville à lui, hein. Otilis, hein. Il peut me dire merci. Entraînement de cavalerie, oui, c'est bien. Ok. J'ai suggéré la cible, ils vont peut-être enfin bouger leur fiac. Est-ce que là ça passe? Oui. Hop, c'était pas auprès de la vie du général, hein, je pensais, mais apparemment non. Est-ce que je peux recruter des troupes? Ça a l'air. Allez. Voilà. Là, on est en reconstitution d'unité. Ils ont réussi à passer, quoi. Non, mais sérieux, enfin, je comprends pas. Bon, il commence à me casser les bonbons, on va aller faire un siège à Athènes. Voilà. Ici, tout ce qui est revenu industriel, on avait dit à Bactra. Bactria. Oui, c'est vrai que là... Je vais les chercher eux là. Ok. Et là, c'est ça. Ok. C'est vrai qu'il y a Rome aussi. Et Rome, faudra qu'on lui tombe dessus parce qu'on a comme... comme condition de victoire de prendre l'Italia. Donc, l'Italia, je suppose que c'est Rome qui l'a, vu comment il s'est bien développé, le Saliou. En général, il aime pas perdre Rome, donc... Mon petit doigt me dit que ça va pas être facile. Ouais, forcément, j'ai perdu mon chef. Pourquoi pas. Ah ouais, j'ai perdu deux généraux, c'est cool ça.
ai pas perdu que 2, hein, j'en ai perdu 4 hein, des péons là. Ça c'est la merde. Bon, je vais essayer de forcer une rébellion. Il commence trop à me saouler les autres, là les autres parties. Donc j'en ai un en Chromasia, l'autre en Arménia. Donc en Arménia j'ai ce qu'il faut. Je vais foutre mes troupes en plein milieu là. En Chromasia, je vais y envoyer un marche forcée. Ce général là. Et s'ils veulent faire une rébellion, bah qu'ils fassent leur rébellion et ça me posera pas plus de soucis que ça. On va me faire mieux, on va faire tout ce qu'on peut, voilà, pour forcer une rébellion. On est déjà à moins 24 de loyauté, c'est très bien. On va augmenter, hein. Ok, ok. Il y en a encore qui ont envie, là. Eh bien, ah oui, c'est le roi actuel, ok. Il y en a un autre ici. Voilà, bon, risque de sécession, 61%, un peu plus d'une chance sur deux, là. On va pouvoir s'en occuper, et comme ça, on aura plus à penser à ça après, pendant plusieurs tours. On sera tranquille, et s'ils reviennent, bon, on ira les redéfoncer. Voilà. Aucune crainte d'une rébellion. On la provoque. On la provoque, on est prêt et on y répond. Surtout de manière forte. Bon, Athènes. Alors, on fait un blocus là. Et on peut pas me casser les noisettes plus longtemps eux. Je peux pas bouger. Plus que ça. Ah purée, j'ai un nouveau. Ça c'est à cause d'un nouveau général, ça a pris du temps, dommage. Ok, je vais avancer en embuscade, tranquille, et je vais aller en Dacia. Oui. Ici. Faire une embuscade, pareil. J'espère que Rome est bien occupé de son côté parce que si Rome se joint à la fête, ça risque d'être très compliqué. Vraiment très compliqué. Non, c'est trop tard. Oui, avec grand plaisir. Putain, j'ai encore perdu. Bas quartier, bas quartier, bas quartier. Oh bah, ben du. Alors que. Attention à tout ça, moi, parce que... Quelques bas quartiers, quoi. Allez, résolution en mode agressif. Les captifs, je m'en débarrasse. Résolution en mode agressif. Je pille et je rase. Voilà, eux, ils sont là-bas. Pas faire grand chose, à moins qu'ils s'enfoncent dans les terres. On verra. Merde. C'est pour ça que je veux. Ah oui, mais ça pourtant c'était important. Ça pour le coup, il fallait. Bon. Reprenons là où on en était. En Bactria. Aria, ouais. Ouais, je vais pas faire des mines. Hein. Je suis pas fada de faire des mines encore une fois ici. Hein. Ouais, 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 je sais.
J'ai assez de petites provinces qui vont me faire de la production de mine, donc je me dis, ce sera pas bien grave. Voilà. Ça, c'est une prise importante, ça. Donc je pille. Et je rase. Et là, je retire énormément de bouffe. Vraiment, vraiment, vraiment. Et j'espère surtout que la bouffe que je lui retire va vraiment l'handicaper. Au moins un set de bouffe ici. Ah ouais, pas mal. 15. Oh la vache. Oh la vache. On va voir ce que ça donne. Ok. Ok, il nous faut de la nourriture. On est en train de provoquer la sécession aussi. Voilà, on va se mettre en plein milieu là. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de sécession, malgré notre moins 60% du tour d'avant là. Là, on est encore à 50%, on a encore une probabilité sur deux. Bon, Sparte. Sparte ne fait rien. Je vais aller piller, hein. Voilà. Lame. C'est qui? Oh merde. Oh. Bon, c'est pas grave, ça m'apporte de la bouffe. J'ai pas de bas quartier. Non, j'ai pas de bas quartier. Là, on va prendre la moule. J'occupe. Voilà, déjà j'ai récupéré une de mes deux villes. Ah. Il me faut toujours plus de bouffe. Ah ouais. On va avoir de la bouffe par là. Alors, avançons. Avançons. Ah ouais? Bon, bah on va. Bon, on va raser, hein. On va raser en espérant que le Tilis reprenne, hein. J'ai pas vraiment envie d'avoir un territoire ici, hein, pas spécialement. Wow, la vache. Faisons à manger les gars, faisons à manger. Oh, de la bouffe. On veut balle de nourriture. Je vais pas intervertir pour l'instant vu que eux ils sont pestiférés, donc on va pas trop aller les embêter. On propose pas d'un. C'est dommage. Ouais, ça c'est quoi? Ça c'est Rome. Ah, Rome, ils sont en train de se taper avec Ponte. Ok. Bon, ils veulent pas, ils veulent vraiment, vraiment pas. J'espère qu'ils sont trop occupés. Parce que j'ai pas envie de recruter des mercenaires pour m'occuper des Suèves. Vraiment pas envie.
Ok. Je suppose qu'on y est le tour prochain, c'est bien. Je me suis un peu perdu là. Ouah, ça va être cher là. Oh là là. J'aime bien que ça va me rapporter beaucoup, mais bon, ça. Qu'est-ce qu'ils font tous là, les Séleucides là? Vous êtes perdus, les gars? Ou comment ça se passe? Vous voulez pas m'aider contre Sparte plutôt que me faire chier à faire des. Plutôt à faire n'importe quoi là? Ou simplement prendre eux là? Allez, allez, bouffer, je sais pas. Non, pas Chypre. Ils sont par là, je sais pas où ils sont par là. Ils ont pris leur territoire ou même pas? Putain, mais c'est dingue ça. Prenez votre saloperie de territoire là. Quoi faire, quoi. Vous êtes des cas, vous êtes un cas désespéré, hein. Voilà. Comment ça, j'arrête pas là, j'arrête pas. Ça fait la deuxième que je défonce en deux tours. On dirait des mouches, ça. On dirait les mouches, les moustiques là. Ça fait le deuxième en 2 minutes. La même chose avec Sparte. J'ai pas l'argent pour le marier, lui, dommage. Je vais avoir l'argent pour la marier. Ah merde, bah, elle peut pas être mariée. Ça, c'est plus dommage. On vole un peu dans les caisses. Enfin, c'est anecdotique, hein. En pioche. Ouais, bah restez loin de moi, hein, s'il vous plaît, les gars. Ok. Ouais, le siège, hein. C'est quoi là leur truc, c'est. Ils ont quoi comme troupe? Sommes libres en relais, hein, ils ont pas grand chose. Après, j'ai envie. Ouais, je veux pas qu'ils fassent trop de modifications dans ma ville, donc mode protection, même si c'est coûteux et je vais perdre des hommes. Même pas. Juste me débarrasser des séparatistes. Ok, voilà. Donc. Voilà. Étrangement, eux m'aiment bien, hein, d'un coup, là, sécession jugulée, 40. Tu m'étonnes. C'est dit, lui, faut pas l'emmerder. Il a tendance à taper sur les sécessionnistes, lui, de manière assez violente. Sans déconner. Bon, sinon, vous bougez votre cul un jour, là. C'est pas ça que je veux, c'est ça. Ah, alors, peut-être. Ah, voilà, enfin nos premiers pas à Sparte. Enfin, en Grèce. Je pille. Et je rase. De toute façon, c'est mon premier. Premier pied-à-terre ici. Donc, je fais une auberge des guerriers, maison d'artisan, logement des artisans et enclos. Voilà. Bon, Sparte. Tu m'as bien cassé les moments, hein. Tu vas sûrement continuer. Mais. T'es pris tes voies de commerce. Donc là, je t'ai même fait baisser ta. Ouais, je sais pas avec qui tu pouvais être en accord commerciaux. Mais les peu avec qui tu devais y être, tu n'y es plus. Voilà.
Et c'est pas bien grave. Là, c'est quoi? On s'en fout, c'est une petite flotte pourrie là, ramasse-couée. Ils veulent pas, ils veulent vraiment pas reprendre leur ville là. Putain, ça va être Roth qui va finir par le prendre là, ça va être chiant. Rasé, hein, y a pas de choix apparemment. Ça me saoulait aussi. Alors, impeccable, impeccable. Sinon, il n'y avait pas. Ouais. Non, vraiment, occupant. Hein. Propriétaire, guerre. Quoi? Ils sont vraiment pas doués. Hein. Ils se sont fait prendre leur ville par eux, quoi. Bon. Les pontes. Les pontes, quoi. Les pontes. Allez prendre Atra aussi pendant que vous y êtes, mais j'en sais rien. Terrible, hein. J'ai bien fait à pas manier aux pontes, hein. Ça a l'air quand même d'être de sacré PNQ. Hein. Provision de paiement, tu me proposais 15 600 il y a quelques tours. Hein. Je t'ai ruiné à ce point-là ou... Comment ça se passe? Parce que bon. 15 600 et 2 000, il y a une petite différence quand même. Hein. Allez, on avance. Quoi ça? Oui, allez, pourquoi pas. Et là, toujours rien. Ah ben, ça veut pas. Ok. On va améliorer la production de nourriture. Apparemment. On n'a pas tant de drap que ça. Ok. Préparation du siège de l'Ortodie. On a une troupe par là. On va envoyer une par là. Là, on continue à bien garder la maison. Nouvelle province pleine de champs. Ça, j'aime bien. Production de bouffe, ça en rapporte, mais comme il faut à gogo, là. Et ça fait plaisir. Bon, Poupoudéva, ils sont beaucoup. Est-ce que je peux aller appeler là, hein? Faut pas qu'il y a, c'est dommage. Je vais m'avancer, on va voir, on verra. On avisera le moment venu. Il en recrute des troupes quand même, le salaud, hein. Purée, vu tout ce que je lui dégomme à chaque fois, là, il en recrute autant. Sa capacité de recrutement est abominable.
là. Un piège dans les règles, apparemment. Et un rasage dans les règles. Et on n'entend plus parler de cette faction qui nous a embêté. Tac et tac. Oh, voilà, de la production de nourriture encore. Et on n'est pas si mal. Et on n'est pas si mal. Là j'ai mis des troupes en embuscade que je vais pouvoir retirer, que je vais envoyer sûrement en Grèce Macédoine. Que j'ai très peu de troupes là-bas pour faire la différence. Ah. Je me suis fait découvrir. Tous les coups c'est eux. Bingo. Oh, tu me saoules, Ponte. Là, ils font demi-tour. Ils ont des troupes ou ils ont pas de troupes, hein, en vrai. Regardez, c'est... Oups. Résolution, là, en mode équilibré. Le but, c'est de pas trop avoir de pertes pour ensuite aller prendre PA. Il y a pas trop de pertes quand je vois... cavalerie, à quel point elle a pris cher. On en reviendra sur le peu de pertes, hein. Ouais, je vais en prendre beaucoup de la perte là. Je vais sûrement perdre même de la cavalerie. Non, même pas. J'ai eu de la chance. Un petit pillage en règle. Allez. Allez, c'est gentil. C'est gentil d'avoir gardé la maison au chaud, comme on dit. Hein. Je me serais fait des thunes, hein, ce tour-là. Voilà. Par contre, ils peuvent aller à Nicomédia, donc m'embête un peu. Je vais les envoyer en Cria. En Kira, je veux dire. On va voir ce que ça va donner. Et de la bouffe, de la bouffe. J'ai pas forcément besoin d'avoir ça ici. Ok. Là, je l'aurais quand même éliminé quelques belles troupes. Hein. Ouf. Si tes territoires, j'en ai rien à secouer. Puis tes anciens territoires, alors là. Je vis pour servir le peuple de Gaulle. Là, ça, il me propose un peu plus, mais je... Oui, ça, je m'en fous. Ça, j'en ai rien à secouer. C'est un plaisir. Tout ce que je sais, c'est d'où tu ne continueras pas. Là, je lui ai pris Athènes, je lui ai pillé pas mal de fois Poulpoudeva, je lui ai pris Pella. Il n'y a plus de grosse place forte. Place forte. Ouais, ouais, c'est Adèche là. Oui, c'est seulement l'Adèche même. Bon, bah c'est parti. Ah bah non, pas eux. Il a subi un siège.
Aïe. Chose que je ne voulais point faire, mais dont je n'ai pas le choix. Je vais recruter des mercenaires ici. Le seul côté pratique, c'est qu'il y a toujours blindé de mercenaires dans ce coin-là. Que ce soit au niveau de la Grèce ou au niveau de l'Italie, il y a toujours blindé de mercenaires. Ça, c'est j'aime beaucoup. Ce qui fait que je vais pouvoir prendre ma flotte et l'emmener en renfort là-bas. Ici, je vais défendre avec ce que j'ai. Sous le coude, c'est-à-dire pas grand-chose, hélas. Hop. Ok, l'ordre public, là, on est vraiment correct. Et c'est le site d'où ça fait tourner les pouces, ça me saoule, j'aime pas là quand ils tournent les pouces là. Pour leur donner des mauvaises idées. Ah tiens, je peux faire du commerce avec eux. Ouais. Bah, tant qu'à faire, ça fera toujours un peu de revenus en plus, hein. Bon, par contre, Pella, compliqué. C'est très compliqué. Il pourrait faire un assaut et je pourrais pas trop la défendre facilement. Bon, ils ont pas fait l'assaut ce tour-là, ça m'arrange. Encore? Oh là là, terrible ça. Bon, j'ai de la naissance, heureusement j'ai des naissances quoi, parce que là, ouais, t'es toujours pas marié toi. J'ai pas beaucoup de naissances en vrai, hein. C'est dommage par rapport à tous les couples que j'ai mariés là, lui c'est bien, il en a 3 là, eux ils en ont 2, 40, ils en ont fait qu'un seul quoi. Ah, les mecs, c'est pas comme ça que vous allez... perdurer la dynastie, hein. Ok, il y a toujours un siège, donc ce que je vais faire. Avec son Larissa. Si le siège dure un tour de plus, c'est très simple, ils perdront leur... Oh, mais là. Question, si je vais dans l'eau, est-ce que je reconstitue? Oui. C'est génial, ça n'a pas de sens. Je reconstitue en étant dans la flotte, quoi. Et si, là, je me mets là. Je reconstitue ou pas? Ouais. Par contre, je sais pas si ça défend. Oh, tu me diras. Pas besoin. On va voir. Ah. J'ai plus de thunes. Tour suivant. Ils attaquent pas Pella.
peuvent pas. Il y a Rod qu'on a profité pour prendre un territoire là. Ah non, les... l'intérieur. Oh bah, super. Encore commercial d'issue. Royaume de Tilis. Ah ouais. Bon, c'est pas très grave. Maintenant qu'ils sont un peu reconstitués. Je peux pas retourner en ville. Ah c'est con ça. Ah merde, c'est con. Ah c'est très con, alors ça ce qui m'arrive c'est très con. Et je peux quand même dire en attaque ou... D'accord. C'est original, vraiment. Voilà. Bon bah ils ont fait un siège. Ok. On va voir à manger. Eux, ils vont pouvoir se reconstituer. Ils ont pris tarif. On va prendre le sud de la Grèce et on va remonter tranquillou. Je vais aller prendre Sparte et je vais remonter sur Apollonia, etc. Je pense que ce sera une belle vengeance. Là, ils peuvent... Ils devraient plus pouvoir trop m'embêter, là. Sécession, il n'y en aura pas. Hop, ah ça passe pas en un tour là? Ah non, j'ai trop de temps de trajet. C'est pas de peau. Allez, reprendre des sauces. On va essayer de reprendre des sauces. On devrait le faire. Surtout que j'ai une troupe entière supplémentaire. Allez hop, tac, 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 tac. J'ai vraiment pas assez de revenus hein. Par contre là c'est... J'ai mis beaucoup en début de partie en suspens mon côté économique. C'est pas souvent que je joue comme ça, j'ai l'habitude de jouer comme ça plus avec les factions barbares. Avec enfin, certaines factions barbares. Parce que je sais qu'avec, par exemple, les Galates, j'ai pas de très bonnes troupes en fin de partie. Donc, il faut que je me dise, il faut que je tape un coup fort en début pour être tranquille en fin de partie. Et c'est ce qui a fait que là, je galère un peu économiquement. Un nouveau chef. Ouais, c'est pour changer. La soumission. Libérer Audricia. Là qui se refait en subir un siège. Alors par contre Audricia, je suis pas trop d'accord sur la libération en fait. Hein. Leur allié, royaume de Tilis. À quel point t'es con? Comment ça ils sont aidés par Sparte? Ah bon, bon. Déjà de 1. Le poulet va, il tombe. Je rase, j'en ai un à squee. De 2. Toi. Tu vas l'aider ton copain là-bas. Et plus vite que ça. Est-ce que tu peux l'aider? T'as la portée ou pas? Non. Donc tu continues d'encercler. Toi,
Toi, tu te fais pas griller la politesse par Pergamon. T'es ramasse-miettes. Voilà, comme je disais, hein, vraiment, il n'y a plus rien. Il débarque. Hein. Par contre, dès qu'il y a une petite ombre, ils viendront pas. Hein. Les salauds d'enfoirés. Ah, c'est con quand même, malgré la marche forcée. Ils n'arrivent pas assez rapidement, quoi. Je vais recruter des mercenaires supplémentaires. Voilà. Pour aller prendre Apollonia. Voilà. Ils vont fuir. Hein. Ah non, ils vont pas fuir. Oh, j'aime bien. Mode agressif. On s'en fout d'avoir de la perte. Ça fera une flotte en moins. Surtout ça, c'est plus important. Voilà, il est possible que je perde ça parce qu'il y a quand même Sigingdun là-bas. Je sais pas à qui ça appartient tout ça. Ouais. On va voir. On va voir. Ah oui. À manger. Faites à manger les gars. Faites à manger. Merci. Encore à manger. Merci. Ah, j'ai plus de revenus maintenant. À cause de ma deuxième. Par contre, pourquoi je peux pas passer? Ah oui. À cause de ma troisième armée de mercenaires, je ne peux plus. Je n'ai plus beaucoup de revenus. Bon, après, une fois que je les aurai dissous, ça ira mieux, quoi. En attendant, c'est légèrement la galère, financièrement parlant. Je ne suis pas à l'aise financièrement. Non, c'est marrant, ça. A des répercussions sur une. Des répercussions assez réelles, dis donc. Je sais pas si c'est la vie réelle qui répercute sur le jeu ou le jeu qui répercute sur la vie réelle, mais. Voilà. Alliance défensive Chypre, oui. Donc elle reste défensive. Et pas pelu. Corrompre l'unité? Où ça? Là? Oh le chieur de con là. Bon. Ah, déjà ça on n'en parle plus là. Voilà. Et là ils sont trop nombreux. Hein. Ouais, ils sont trop nombreux. On va aller récupérer Navissos, faut pas déconner là. Bon, hop, hop, hop. Ouais. Oh bah dis. Hop, ça c'est pas utile ici, ça. J'ai déjà plus de pognon. C'est terrible. En même temps, je l'ai mérité un peu, je l'ai cherché là pour le coup. Apollonia à portée ou pas à portée? De toute façon, il faut que j'aille aider là-bas. Battez-vous pour les ancêtres. Je peux finir dans une belle journée pour mourir. Résolution. Hop. Pas besoin d'aider en fait. Ils sont trop forts. Ça fera des Spartans moins. Ouit. Direction là-bas. Très bien. À manger, je vais à manger. Et là, direction Larissa. Ouais, je vais aller défendre Athènes au cas où. Et je vais surtout aller me reconstituer. Que ça fait bobo là.
Y a plus beaucoup de revenus, hein. J'étais à 3000 ou 4000 le tour d'avant, là je suis à 300. Hein. Ah le salaud, on m'a pris une unité, ouais. C'est vrai qu'il m'a dispersé une unité. Il ne s'en tirera pas si bon compte. Là déjà, Sparte n'est plus que l'ombre que lui-même. Hein. L'ombre que lui-même, carrément. N'est plus que l'ombre de lui-même. Knossos qui sait comment me parler. Hein. Ici, il y a quoi ici? Je reconnais, c'est Anteia, c'est chez moi ça. Ah, c'est bientôt chez moi quoi, mais enfin voilà, vous avez compris quoi. Regardez. On va éviter d'avoir de la perte, hein. De toute façon, dans tous les cas, quand on prend une ville, l'armée qui est dedans est décimée, donc... Pas besoin de se prendre le chou. Allez, direction des sauces. Là. Là, ça reste une flotte, donc j'en ai un à secouer. Là-bas, direction Epidamnos. Toi, direction... Non. Direction ces petits pilleurs merdeux, là. On entend de parler. Ils sont combien là-bas? Oh, ils sont tout seuls. Allez, direction ces Kingdoms. On rase. Et on s'en fiche un peu des pertes, ça reste une armée de mercenaires, donc on a squeak. Et là, plus que 4 villes Sparte. Ça avance. On va finir par les avoir, ça, hein, parce que ils ont bien été chiants. Hein. Ça, oh, mais j'ai plus de thunes, voilà, donc ça, rien du tout. Ah ouais. Ok. Ils sont en train de fuir, pourquoi pas. Ok, j'ai quelques gamins de ci, de là, qu'il faudrait... On va vérifier que notre dynastie prospère. Voilà, Sparte qui ne peut plus faire grand-chose là. Déjà, il a perdu. Sparte, t'as dans la ville, t'as je sais plus quoi. Ah non, c'est pas dans la ville, mais je sais que t'as un endroit, un bâtiment qui fait qu'il peut améliorer de manière conséquente son recrutement, sa vitesse de recrutement. Je suppose qu'il a été fait à Sparte. Et on peut voir là, il n'arrive plus à sortir autant d'unités. Hein. Donc je me dis... qui devait être à Sparte ou un endroit que j'ai rasé. Tac, 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 et je suis déjà plus de... Maison Sigingdun, je sais pas si c'est la meilleure idée que j'ai eue. Si, ça a l'air. Bon. Ouais, quelques bas quartiers. Non mais ça c'est... Qu'est-ce qu'il me fait lui là? Allez sur Poulpoudeva? Vas-y. Vas-y, qu'est-ce que t'attends pour aller sur Poulpoudeva? Et qu'est-ce que t'attends pour tomber dans mon embuscade surtout?
Alors, voyons voir. Ok. Ok. Plus que deux villes aux mains des Spartiates. Plus que deux villes aux mains de Sparte. Et ils n'ont même pas proposé la paix, hein. Ils savent que maintenant c'est foutu. Ils disent, on est foutu les mecs. De toute façon, on est foutu. Sept bas quartiers. Ah, ça craint là. Un petit pillage en règle et un petit rasage en règle. On va pas se prendre le chou. Voilà. Hop, hop. Petite dernière troupe à yader là. Ça rapporte bien de piller donc. Et vu que là j'ai plus de thunes. Pourquoi sans kick? Voilà! Là, il reste pas grand-chose. Voilà. Il reste vraiment pas grand-chose. Hein. À manger, à manger. Je vais pouvoir le dissoudre. Et je vais les mettre à Polonia. Ah voilà, je me dis bien qu'il y a des Spartes dans le coin. Ah, mais il n'y a plus de Spartes. Vous avez entendu ce petit son? Dire qu'il n'y a plus de Spartes. Ah, doux bruit. J'aime l'entendre. J'ai pas dissoudre mais toutes mes unités de mercenaires ce tour-ci. Juste au cas où, je vais attendre un tour parce que là, il va y avoir rébellion. Il va pas y avoir rébellion. Si je dissous tout, si, il va peut-être y avoir rébellion. Donc je vais attendre un tour et on va dissoudre les unités de mercenaires. Et on aura déjà un peu plus de revenus. Où on paiera moins de... De salaire, surtout de salaire de mercenaires, parce que eux. Alors, effectivement, les mercenaires, il y en a beaucoup au niveau de la Macédoine, de la Grèce, comme je disais, l'Italie, ce qui est un fort avantage, même un petit peu à Carthage, je suppose, d'en avoir aussi assez d'environ là. Cependant, il y a un fort inconvénient quand même de d'avoir ces mercenaires, plus que d'autres, hein, voilà. Hein. Et que le coût d'entretien est absolument énorme. 518 l'unité. Entre 100 et 518. Ouais, non, mais c'est juste énorme là, par contre. Là, regardez, là, je suis à 6725. Si je dissous une armée entière, j'arrive à 13 000. Vous voyez? C'est beaucoup. Là, je vais pas dissoudre l'armée entière parce que j'ai quelques troupes. Voilà. Là, je vais passer à 16 000. Juste énorme. C'est absolument énorme. Hein. Y a pas photo, il n'y a rien à dire. Ah oui. Voilà. Donc j'ai multiplié par 4 mes revenus là en un tour. Enfin, c'est sympa quoi. Multiplié par 4 en un tour. C'est dit comme ça n'a aucun sens. Je regarde si j'ai pas d'autres mercenaires qui traînent dans le coin ou pas. Ou qui traînent pas dans le coin, mais qui traînent tout court. Non. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est temps de faire des bâtiments pour un peu prospérer avec notre économie, parce que c'est la mouise. Parce que c'est clairement la mouise. Faire de la bouffe aussi parce que là je suis parti sur quoi comme techno le
cercle barde, donc ça c'est pas très problématique. Moins 10% de corruption dans vos provinces. Oh, attends, le cercle de barde, ça va m'apporter énormément. 10% de corruption, je sais pas à combien s'élèvent mes pertes de corruption, mais si je perds 10% de corruption dans l'ensemble des provinces, je suis sûr que je peux au moins économiser plus de 10 000. Je suis à 17 000. Hop. Ouais. Allez, soyons fous. À manger, à manger. À manger. Donc là, je suis à 17 047. Voyons voir avec la nouvelle technologie à combien je vais passer au niveau de la thune. Vingt-cinq mille. Oh, j'ai pas économisé 10 000, mais j'ai économisé 8 000. Franchement, peut dire que c'est quand même pas mal. Waouh. Ouais, alors les bas quartiers, ça viendra dans un dernier temps, tout ça. Hein. Et là, par contre, ce qui va être intéressant aussi, c'est la quantité de que je vais économiser par bas quartier. Hein. Que là. On se dit, ah ouais, mais bon, là, niveau bouffe, tu vois, t'es pas terrible, hein. Oui, c'est vrai. Mais bon, quand on voit qu'un bas quartier, c'est 6 de bouffe. Putain, c'est 6. Oh la vache. Moins 2% de coût de recrutement des unités légères. Ah merde, je pensais pas. Plus 1 de croissance par tour. Eh, c'est pas mal, les bas quartiers, en fait. C'est un avantage aussi, hein. Là, par exemple, vous voyez, hein, là. Juste ici, j'ai moins 24 de bouffe. Hein. Ce qui est énorme en soi. On recherche actuellement aucune technologie, c'est vrai. C'est un point qu'il est bon de soulever. Taverne, bastion. Oui, voilà, on va faire ça. Quoique non. On va faire ça d'abord. Économie de la tribu, ça me rapportera plus de revenus agraires. Et comme je suis en recherche de thunes, avant d'aller attaquer Rome, parce que là, il me reste pas grand-chose en territoire encore. Oui, c'est vrai, il va falloir que je fasse gaffe aux gamins aussi, là, tiens. D'ailleurs, ce que je vais faire attention. Est-ce que j'ai un gamin? Oui, j'ai des gamins qui peuvent se marier. Faites des gosses, les gars. Faites des gosses, faites des gosses, faites des gamins. Autant que vous en voulez. On veut, tu en vois là, mais. Y a pas de souci. Voilà. 5 de chance d'avoir des enfants. Je prends. Moins 26. Oh, il va y avoir encore une rébellion. Le clan de la bête hargneuse. C'est où? En Arménie. Je dois avoir des troupes dans le coin. Hop, on va s'y rendre parce que ça peut poser problème. Et avec eux également, je vais m'y rendre. Je vais aller à Samosata. Ça a totalement changé mon. Ah, c'est chelou ça.
Ouais, mais c'est pas trop du revenu. Ok. Ok. Et on va se laisser là pour l'épisode d'aujourd'hui, un long épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On aura réussi à se débarrasser de Sparte quand même. Qui nous a donné du fil à retordre. Et on aura aussi réglé le problème de. Enfin, on aura jugulé une sécession aussi. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. Un grand merci à tous d'avoir suivi. C'était Tiob. Ciao.